Bonjour, bonjour. Coucou mes poulets, c'est Mélo Kimiko. J'espère que vous allez tous très bien. Toujours la même intro, c'est étonnant que vous vous lassez pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo la plus originale de ma chaîne. Oui, parce que tout le monde aime ce genre de vidéo. Oui, je cite, voilà. Vous ne vous lasserez jamais de ce genre de vidéo et c'est bien pour ça que je vous aime très fort. Aujourd'hui est un grand jour parce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour un thème. Oui, parce que nous sommes jeudi. Oui, messieurs, mesdames. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un thème. Je ne me suis pas connecté sur Movistar Smash. Voilà, ou soir. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. J'ai fait exprès pour ne pas découvrir le thème. Donc voilà, on va le découvrir ensemble. Donc je me connecte tout de suite. Tout de suite. Déjà, tu sens le thème dark. Je sais pas pourquoi, ça s'intitule le dark. Pour changer, parce que Movistar Planet et le dark, j'ai l'impression que c'est une grande, énorme, big histoire d'amour. Oui. Ils nous ont peut-être collé un thème comme ça, au moins je sais pas, peut-être 10 fois. Et ils ne s'en lassent pas. Et nous, par contre, c'est une paire de manches. Parce que moi, personnellement, je pense que ça va me saouler. Mélo Kimiko, arrête de te faire un petit casse-couille. Oui, je suis casse-couille, mesdames. Oui. Donc aujourd'hui, nous retrouvons pour la zéro originalité de Mélo Kimiko. Elle fait un thème Movistar Planet. Oui. Allons dans shopping. Bon, je suis désolée, les gars. Là, par contre, faut que j'aille aux chiottes. Je reviens. Après ce moment délicieux avec mes toilettes, oui, parce que j'ai énormément d'affinité avec mes chiottes. Oui. C'était génial. J'ai pu faire pas mal de choses intéressantes. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, vous allez dire Malaise TV ou d'autres vont dire Team Chiotte. Faites un clan. Vous faites des clans. Rien à faire. Dans les commentaires, Team VC ou Team Malaise TV. Bisous tout le monde. Donc, comme je le disais, nous allons aller dans les vêtements et nous allons aller juger ce thème dark. Donc, je ne connais pas. Ah, d'accord. Amitis. Amitis. Oui, effectivement. Très dark. Ce n'est pas que ce thème-là me déplaise. J'aime beaucoup le dark. Mais, je sais pas, il n'y a pas assez d'originalité. En fait, MSP manque autant d'originalité que Mélo Kimiko. J'aime pas Mélo Kimiko. Bref. Oui, parce que ce n'est pas Mélo Kimiko qui vous parle. Non, je l'ai dit au début de la vidéo, je suis comme. Ok. Qu'est-ce que je disais? Donc, nous avons des hauts très sympathiques. Voilà. Oh, putain. Ouais, faut pas que je travaille dans un magasin. Hein. Vous avez des hauts magnifiques, voilà. Tu vas kiffer, madame. Donc, nous avons des hauts sublimissimes. Nous avons des manteaux, bien sûr, à diamant. Hein. T'as pas de diamant, t'es dans la merde. Il est pas mal, mais bon, on pourrait croire qu'elle est nue en dessous et juste un papillon la cache. Non, on n'est pas dans le nudisme. Donc, bon, du coup, on va se faire un thème sympathique. On va regarder page avant de faire quoi que ce soit. La cassette, comme ça, c'est moche ou basse. En plus, regardez le titre, ça marche aussi. Bon, en fait, MSP ne m'aime pas aujourd'hui. Mais c'est tombé, j'ai pas d'argument. Donc, il y a combien de pages sur ce bordel? Je pense qu'il y a 5 pages. Non, 4 pages. C'est parti pour le thème de l'année. Avec originalité, s'il vous plaît. Donc, on va se mettre ce petit haut qui m'a l'air pas mal. En violet. En fait, les gens, ils se plaignent que je m'habille tout le temps en noir. Mais là, ils vont me tuer. Là, ils vont me mettre un couteau sous la gorge. Pas possible, non, c'est pas possible. Vous autorisez à me pendre, tout simplement. Je suis addict à la couleur noire. Oui, le noir n'est pas une couleur, mesdames et messieurs. Bien sûr. Mais je suis addict. Comme. En fait, je parle pour rien. Non, pas ok, ça, j'en avais un quand j'étais petite et je ne peux plus voir ce genre de choses, donc je n'en mettrai pas. On va dire que ma mère m'a assez perturbée avec ce genre de machin. Je ne sais absolument pas comment ça s'appelle, mais je trouve ça très moche. Et derrière. Quoi ça? MSP, ils font des sponsors pour les rajouts de cheveux. Putain, je me sens trop bonne. Attends, ça veut dire que. Ouais, mais non, tu veux pas. Non, tu ne peux pas. Je ne suis pas d'accord. Non, madame, il te manque un bout de cheveux. Merveilleusement. On laisse comme ça? Oui, on laisse comme ça. Ça peut être sympa, ça peut faire un style assez pas commun. Là, pas commun du tout. Donc je suis d'accord. Ouais, voilà. Le petit nœud qui passe en plus derrière la frange. La logique de Movie Star Planet. Voilà. Et ben, moi j'aime, vous allez me dire mais oh là là, la vie c'est Movie Star comme ça et tout. La meuf, elle a pas de vie. On est à trop pris, à cette tromperie pour je sais pas quoi. Non mais allô, voilà Nabila. Voilà. Ouais, voilà. Non mademoiselle, excusez-moi, mais c'est joli, ça sort de l'ordinaire. Moi je dis, il faut quand même oser les choses. Oser ne pas mettre de cheveux derrière. Oser raser votre crâne. Oser ne garder qu'une frange. Oui, c'est la vie, mesdames. Assumez-vous tel que vous êtes. Ne gardez qu'une frange et soyez chauve derrière. Je suis d'accord. Paix à vous, mesdames. Paix à vous. Ou messieurs, si vous voulez faire une coupe au bol et que vous ne gardez que la frange, ça n'aura plus l'air d'une coupe au bol. Mais ça peut faire un style. Envoyez-moi vos photos en privé. Donc je cherche un bas malencontreusement. Je ne sais pas le mettre. Du coup je vais mettre ça. Personnellement, je vais vous dire, ce thème ne me plaît plus forcément parce que j'en peux plus de ce genre de thème. Je le trouve trop répétitif, trop répétitif. Je viens de le dire, c'est très répétitif ce que je dis. Bref, on s'en fout. Voilà, je trouve ça un petit peu abusé de foutre ça à 4 diamants alors que non, j'aurais pu carrément me mettre à 5 SC même pas. Hein, oui, effectivement, monsieur MSP. Oui, monsieur MSP. Oui, parce que franchement, oui, je ne comprends pas. Je ne comprends plus, je ne sais plus quoi faire, je suis perdu. Des chaussures, nous allons les trouver. Franchement, les moches, je pas ça. On achète déjà ce premier. Je trouve ça space quand même. En fait, on va peut-être se faire un look sérieux. Donc moi je dis voilà, on va dire ça, c'était look à la con. Donc, je vais me prendre cette coupe là parce que je trouve que c'est la meilleure qui va avec le la frange. Et on va se faire une coupe voilà, comme ça. Voilà. Allez, putain. Donc, bien évidemment, la frange, faut la mettre à la même couleur que l'autre là. Oh, c'est moche ça. On va lui mettre une veste, voilà, on va se payer ça en diamant. Je n'ai absolument pas d'idée pour ce thème. Franchement, là, je suis sèche. Il y a marqué I love rares. Ça annonce tout simplement, mes amis, que les rares vont revenir. Mais oui, mes enfants, les rares vont revenir. Mais quand? Je ne sais pas, je ne suis pas devin. Donc les rares vont revenir. Bah du coup, vu qu'on voilà, on va mettre ce pull. Je trouve sympa ce pull. Par contre, je vais changer la couleur de ouais, en fait, là, j'ai rien changé du tout. Mais regardez, Monster Mac, tu veux mettre une casquette, tu ne peux pas, elle passe à travers la frange. Je trouve ça normal, toi. On va lui mettre un pantalon. Donc ce pantalon m'a l'air pas mal. Donc nous allons le mettre. Voilà. Non, il est trop moche comme ça. J'aime pas. Voilà, comme ça. J'ai pas d'idée. Franchement, j'ai pas d'idée. Je sais plus quoi faire. MSP, c'est pas possible. Voilà. Ce n'est plus possible. MSP est devenue une grosse chiotte. Voilà. Cool. Donc j'achète ce look. Et voilà, mes amis, j'en ai fini avec ce thème qui m'a pas forcément branché. Donc nous allons aller voir quand même dans les animations. C'est bizarre, on ne botte pas aujourd'hui. C'est très bizarre. Hein. C'est un petit peu normal. Nous sommes jeudi, nous sommes en période scolaire et tout le monde est à l'école. Donc Tata Mello peut faire ses vidéos tranquillement, tu vois. Oui. Et le soir, les abonnés profitent de mes vidéos. Oui. Et fait que tu veux. Donc je ne comprends pas pourquoi la petite dame s'est mise dans la cage à oiseaux. Ça devrait être l'inverse. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ils ont plagié le lundi rame de pan. Faut se calmer là. Voilà, tu t'es pris un papillon en pleine face. Un butterfly, butterfly de mes voilà. On s'achetait le décor de Movie Star plein de YouTube. Achetez. Oui, parce que moi j'achète les décors. Je ne fais pas qu'une simple capture d'écran. Oui, messieurs mesdames, je ne fais pas de capture d'écran. Voilà. Et bien moi je dis que c'est à présent la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me soutenir. Oui, n'hésitez pas à me soutenir. J'ai besoin de soutien. Bref, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, à faire ce que vous avez envie de faire. Et j'ai juste une petite dédicace à faire. Je fais cette dédicace
alias pour Alex. Alex, alias Alex. Alex est une personne. Alex est une personne très 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 gentille. Je pense que vous êtes nombreux à connaître Alex. Malgré qu'il n'avait pas. Ah, voilà, il n'avait pas non plus 22 000 abonnés ou 252 000. Non. Il était atteint à ses 1000 abonnés, il me semble bien. Il faisait des concours VIP. Il faisait des vidéos. Sympatoche. Hier, j'ai voulu aller voir quelques-unes. J'ai voulu aller voir quelques-unes de ses vidéos. Et là, mon cœur s'est chamboulé. Sa chaîne supprimée. Je l'ai donc contacté sur Snapchat. Il m'a dit qu'il avait supprimé sa chaîne. Et là, le drame. Moment dramatique, s'il vous plaît. Je suis tellement, tellement, tellement déçu qu'il ait supprimé sa chaîne parce que j'aimais beaucoup regarder ses vidéos quand j'étais au chiottes. Mais aussi d'un côté, je le comprends parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de youtubeurs MSP qui n'aiment plus MSP. Après, voilà. C'est qu'une probabilité. Beaucoup de gens se lassent de ce jeu devenu merdique. Oui, je les comprends. Donc vraiment, Alex, je te fais une dédicace. Si tu un jour tu veux recommencer YouTube, mais dans une autre chose, dans un autre jeu, etc., sache que je suis là pour t'aider. Je serai là pour te faire de la pub. Je serai là pour parler de toi. Ne t'inquiète pas, j'ai pas envie de te laisser comme une crotte, voilà, comme ça. Franchement, voilà, je te comprends d'un côté que tu en aies eu marre d'MSP. Ne lui en voulez pas, ne dites pas oui, il ne pense pas à ses abonnés, il ne pense qu'à lui, etc. Mais en même temps, s'il s'est créé une chaîne YouTube, c'est pour son plaisir et sa passion, c'est pour lui qu'il l'a fait. À la base, il ne pensait pas qu'un jour il allait atteindre 1000 abonnés, et bien non. Au début, il a commencé d'une vidéo pour faire plaisir, pour lui, pour essayer quelque chose, et voilà, il a réussi. C'est son choix s'il a supprimé sa chaîne. Moi, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je ne peux pas lui dire de continuer. Je suis juste tout à fait d'accord avec lui, parce que moi, si j'arrête pas MSP, c'est qu'on est arrivé quand même à un stade assez, voilà, assez haut, et je n'ai pas envie de vous abandonner comme ça. Ça serait carrément mal de ma part de faire ça. Même si MSP me saoule, même si les thèmes me cassent les bonbons, même si MSP manque d'originalité, je vais quand même rester et faire des petites vidéos à la con. Mais voilà, ne pensez pas qu'MSP va faire toute ma vie. Je ferai des vidéos, make-up, cosplay, etc. à côté. Donc voilà, franchement Alex, je te soutiens. Et si t'as besoin d'aide, si t'as besoin de recommencer, si même voilà, je serai là pour t'aider. Et d'ailleurs, bonne chance à toi pour ton brevet. Et voilà, bosse à fond et fais pas comme moi. Voilà, bosse à fond et vaut mieux que tu t'occupes de ton avis. Franchement, ne fais pas comme moi. Donc sur ce les gars, c'est bon, j'en ai fini. Maintenant je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.